professeur, merci de vous installer avec nous et de prendre un peu de votre temps précieux pour nous, parce qu'on sait qu'il est très précieux ce temps. Vous êtes le chef du service d'épilepsie et de rythmologie cérébrale de l'hôpital de la Timone à Marseille, et vous venez d'être classé numéro 1 mondial dans le domaine des épilepsies focales par Expertscape. C'est un site internet, Expertscape? C'est un site qui fait le compte en fait des productions scientifiques par expert, par médecin expert dans chaque domaine de la médecine. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement numéro 1 mondial dans le domaine de l'épilepsie focale? Parce qu'il y en a plein des épilepsies. Oui, alors, il y a beaucoup de formes d'épilepsie. Les épilepsies focales, ce sont les plus fréquentes. En fait. Et donc nous, on est très impliqués avec mon équipe. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul. C'est le propre des équipes universitaires d'avoir beaucoup de chercheurs avec nous. Ça veut dire qu'on a, au cours des 10 dernières années, produit beaucoup de papiers qui ont été très cités, très lus. Voilà, c'est un petit peu une reconnaissance importante quand même pour notre CHU et nos instances de recherche. Alors on verra tout à l'heure à quoi servent ces recherches, ces papiers dont vous parlez. Ça fait avancer la science évidemment et ça aide beaucoup ces patients. Ils sont 600 000 en France à souffrir d'épilepsie. Et parmi ces patients, eh bien, il y en a une qui vous délivrera un très joli message en fin d'émission. Vous ne savez pas qui c'est, hein, parce que vous en avez beaucoup des patients et des patientes. On découvrira ça dans quelques instants à la fin de cette émission. Mais juste avant, comme le lundi on parle de santé mais aussi de bien-être, je vais vous présenter Morgane qui va nous rejoindre, qui est prof de yoga. Elle est ici ce matin pour nous parler de postures très particulières. Morgane, installez-vous, venez ici. Je pensais qu'on avait un petit jingle, mais vous allez venir comme ça. On va mettre une petite musique bien-être qui va nous détendre tous. Je remets mon micro par la même occasion. Morgane, tout d'abord, vous avez un centre de bien-être à Marseille, vous, c'est ça? C'est ça, un centre qui allie le yoga et des pratiques holistiques, naturopathie, sophrologie, des massages ayurvédiques, ostéopathie. EFT aussi, gestion des émotions. Bien, donc on va gérer pas vraiment nos émotions, là on va essayer de booster notre corps quand on veut devenir papa ou maman. Alors c'est plutôt dirigé vers les mamans, c'est du yoga de la fertilité, c'est ça, ça, ouais. Ça marche vraiment? Bah, les études montrent que oui, ça marche. Après ça permet aussi à celles qui n'arriveraient pas à avoir d'enfants à appréhender un petit peu la chose et mieux le vivre, on va dire. Eh bien Morgane, on va vous laisser nous montrer la première posture. Alors c'est quoi cette posture exactement? Donc on va commencer assis tout simplement. Oui. Prendre une posture confortable en tailleur. Et on va commencer simplement par respirer dans notre abdomen. Donc on peut placer une main sur le ventre, une main sur le sternum. Et commencer peut-être par fermer les yeux simplement et respirer par le nez. Et ici on va essayer de respirer uniquement dans le ventre. Donc à chaque expiration vous allez venir rentrer légèrement le ventre vers la colonne. Et à chaque inspiration, on laisse le ventre se relâcher en avant. On essaye au maximum de ne pas faire bouger la main du dessus, du thorax, pour respirer le plus dans l'abdomen. Donc j'inspire, je gonfle mon ventre, et j'expire, j'absorbe le nombril vers la colonne. On peut continuer des cycles comme ça pendant plusieurs minutes pour trouver cette respiration profonde abdominale et apprendre simplement aussi à relâcher notre abdomen qui finalement reste trop souvent contracté, on va dire. Puis une deuxième respiration dont on va se servir particulièrement dans ce yoga des hormones, de la fertilité, ça va être la respiration bastrika. C'est une respiration qu'on appelle du feu qui vient réveiller un petit peu, ramener de la chaleur dans notre ventre. Cette respiration, c'est une respiration très très dynamique. Attention à ne pas faire si vous souffrez d'endométriose ou si vous êtes déjà enceinte. Donc c'est une respiration où on va expirer complètement, puis trouver une courte inspiration à mi-chemin, on va dire. Et à chaque expiration, vous allez rentrer l'abdomen de façon dynamique vers l'intérieur. L'inspiration aussi se fait de façon active. Donc on regonfle le ventre et on expire, on grandit. Ça donne quelque chose comme ça, je vous montre en rythme, ouais. Donc chacun a son rythme, bien entendu. Eh bien écoutez, c'est parfait. Merci pour ce premier exercice de yoga. Et vous savez que dans cette émission, on teste des sports souvent. Donc ce sera yoga de la fertilité aujourd'hui. Et on a notre chroniqueuse Virginie Dubois qui, elle aussi, va tester beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle a testé un sport un peu particulier. Ça s'appelle le fitness facial. Elle nous rejoint.
Alors professeur, est-ce que vous avez déjà eu connaissance de fitness, mais pour le visage, fitness facial? Ça vous parle? Non, ça ne parle pas, mais on étudie dans le domaine des neurosciences et des émotions beaucoup la musculature faciale. On enregistre les muscles. Donc, et vous nous confirmez qu'il y a beaucoup de muscles interoral, combien de muscles dans le visage, vous savez ou pas? C'est pas, il y en a entre 40 et 50, quelque chose. Voilà. Virginie, vous savez? Alors, je voulais sa réponse précise, parce que selon ce que je lis, on m'a dit 40, et puis après j'ai lu 50, donc effectivement, vous n'êtes pas plus précis que moi. On est entre 40 et 50. Finalement, bon, très bien. Alors ces muscles, on va les mobiliser et vous êtes allé tester un cours de fitness facial. Alors, ce n'est pas tout à fait du fitness facial. Parce c'est qu'en quoi fait, on parle d'un tas de choses en ce moment. On parle de fitness, on parle de stretching, on parle également de Kobido et on parle de yoga du visage. Kobido? Kobido, oui. Alors, le Kobido, c'est plus en fait agir sur les méridiens, les points d'acupuncture. Oui. En fait, tout ça, c'est le même principe. L'idée, c'est effectivement de dire qu'on a des muscles dans le visage et qu'à partir d'un certain âge, il y a tout qui s'affaisse, en fait. Mm-hmm. Voilà, il faut le savoir. L'ovale s'affaisse, le cou s'affaisse, la circulation sanguine se fait moins comme bien. Comme l'ensemble du corps, le les renouvellement bras, cellulaire, ça. Enfin, c'est la cata. Hein, ouais. faut le savoir. Puis alors, vous avez les rides, donc alors vous avez la ride du lion, là vous avez les petites rides, là, c'est des zygomates, parce que vous faites des grands sourires, comme ça, puis après les rides là, puis c'est après ça. Les rides là. Mais là, les rides d'expression, quand on les a là, c'est oui, bon signe, ça veut dire qu'on sourit. C'est ce qu'on souvent m'a dit, moi on m'a dit, t'as des rides, et c'est parce que t'es expressif, tu souris tout le temps, super, j'ai des rides. Bon, bref. Et alors celle-là, il paraît qu'elle s'appelle les rides de l'amertume, donc finalement je souris, mais j'ai quand même un peu d'amertume. Bon, enfin, tout ça pour dire que. Il faut sortir tout ça. C'est déprimant. Ouais. Alors vous avez évidemment les solutions qu'on connaît, c'est la médecine esthétique, mais bon, vous savez que moi, lifting, botox, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt assez nature. Nature. Hein, voilà. On peut rester nature, mais remuscler nature, un petit peu tout ça pour remonter le visage. Voilà, mais on peut essayer de rester un petit peu jeune, quoi. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais essayer. Et ce qui était bien, finalement, c'est que moi, je suis pas très patiente. Et là, en fait, j'ai eu un soin. C'est-à-dire que le stretching, c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. C'est l'esthéticienne avec ses petites mains. Ah, c'était incroyable. Alors, je suis arrivée, donc je vous raconte un peu quand même. Oui. Je suis arrivée, donc j'étais assise comme ça, c'est vachement bien. Elle a commencé à me tirer le cou, après. Donc là, vous n'avez pas travaillé au démarrage. Ah, mais en fait, j'ai rien fait. C'est papouillé, quoi. Non, mais en fait, j'ai rien fait. Ah, d'accord. Que ce soit bien clair, je n'ai rien fait. Pendant 50 minutes, je me suis laissée faire. Alors, vous voyez des photos, vous verrez tout à l'heure un petit. Ah, ben voilà, regardez le film, vous voyez. Elle vous tire un petit peu la tête à droite, elle vous tire un petit peu la tête à gauche. C'est assez doux au départ. Et puis, alors, il y a un moment, je me suis dit, là, elle pince, vous voyez, là, ça pince un peu quand même. Hein. Ah, ouais. Je me suis dit, quand même, elle me fait mal. Pour être belle, il faut souffrir. Oui, c'est ça. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, elle me donne des claques. Alors, c'est pas moi, vous avez vu. On a quand même pris une jeune femme qui était moins ridée que moi, à vrai dire. Hein. Vous bon, voilà. Voilà, donc là, elle tapote. Elle, ah, voilà, elle, ça, elle, c'est là. Alors, ça, je me suis dit, aïe. Non, ouais. Mais franchement. C'est vrai que ça fait circuler. J'ai failli dire, non, mais stop. Donc, quel effet ça a, franchement Alors, je me suis pas endormie, hein, parce que ça stimule quand même. Non, mais, moi, j'aime bien m'endormir chez les esthéticiennes, mais là, je suis pas. C'est compliqué, là, effectivement. Je ne suis pas ressortie avec des bleus. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, je lui ai fait, alors, tu as quelque chose de changé? Et comme tous les maris, non, pourquoi? Je sais pas, je suis allée chez l'esthéticienne. Ah oui, t'as bonne mine. Bon, OK. Mes copines m'ont dit quand même le soir que... Elles avaient trouvé que c'était assez liftant, quand même. Voilà. Hein, voilà. Alors, en une séance de combien de temps? Alors, moi, j'ai eu droit à une séance de 45 minutes avec un petit soin en plus, parce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle travaille beaucoup, vous voyez, hop, elle me redonne des claques sur les joues. Elle travaille également avec plein de crèmes. Alors, ce qui est quand même sympa, et c'est pour ça que j'y suis allée, parce que ça, c'est un petit coup de cœur aussi, c'est qu'en fait, ce sont deux jeunes, des Varois, Gaël et Philippe, hein, quand même, qui ont créé le premier studio facialiste en France. Le studio facialiste. Ça vient des Anglo-Saxons, voilà. Donc ça, c'est les Anglo-Saxons l'avaient déjà lancé. Eux, ils ont repris un peu des techniques, ils ont formé des personnes pour ces petits massages. Ils ont créé d'abord les studios à Paris, parce que bon, c'est vrai, quand on crée un truc un peu nouveau, c'est plutôt Paris, hein, voilà. Mais ils sont venus à Aix. Bravo. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et l'autre c'est chose... C'est très rare en France. Je pense que ça va se développer. Vous savez, c'est comme les bars à ongles, les bars à sourcils. Bah, maintenant, vous avez les facialistes, quoi, les bars à lifting du visage. Quoi. Pour conclure. Ouais. Alors, pour conclure, ce qui est quand même sympa, c'est qu'après, il faut travailler à la maison, en fait. Voilà. Et ça, je n'ai pas commencé. D'accord, il y a un moment où on travaille quand même. Voilà, il y a un moment où on travaille. Alors, ils ont créé en même temps une gamme de crèmes. Donc, vous en avez quand même quatre. Hein. Donc, il faut savoir que pour travailler, il y a tout un truc qu'il faut faire. Alors, je l'avais noté, il faut d'abord échauffer, renforcer, étirer, récupérer. Ils vous disent que ça prend 2 minutes. Et ce qui est sympa, c'est quand vous y allez, vous achetez ce petit machin. Ouais. C'est pas mal, ça. Et vous avez un petit code barre. Voilà, un petit code barre.
téléphone dans votre petite salle de bain et vous avez votre coach le matin. Ouais. Alors, 2 minutes avec 4 crèmes, moi, je ne suis pas sûre. Hein, parce qu'en plus, je ne suis pas très, très douée. Donc, je pense qu'il faudra que je remette en replay. Et bon. Mais voilà. Et après, il faut travailler donc tous les matins. Et ce qu'on conseille, c'est au départ de faire peut-être 2 séances assez rapprochées. Après, bah, ça dépend de si vous êtes très affiché, pas très affiché. Voilà. Mais bon, en tout cas, on est loin du fameux XO d'il y a quelques années. Non, mais après, il y a des trucs aussi quand même à faire. Hein, des trucs comme ça. Bon, donc en tout cas, fitness facial, Cobido. Facialiste, FaceCult, en tout cas FaceCult, vous le trouvez, ils sont à Aix, ils sont adorables. Et si, très important, de mercredi à vendredi, ils font 3 journées un peu porte ouverte où vous pouvez tester pour 20 euros un soin rapide. Ça vous donnera une idée. Voilà. Le fitness facial, merci beaucoup. Testé par Virginie Dubois qui a souffert pour nous. Ce qui est vrai, quand même quelques petites claques pour cette chronique. Nous, on va continuer dans le bien-être avec notre spécialiste du yoga de la fertilité. Et c'est avec vous, Morgane, qu'on va enchaîner une deuxième démonstration. Alors, cette fois, on va ouvrir le bassin, c'est ça ? C'est ça. On va ouvrir nos hanches, aller étirer tous les muscles qui sont situés dans le bassin et qui peuvent bloquer un petit peu, que ce soit la circulation, pourquoi pas les nerfs, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse vous mettre en position face à la caméra et vous nous expliquez tout ça. Très bien. Donc, on va commencer en fente basse. Donc, le genou avant fléchi au-dessus de la cheville. Et on va venir simplement rétroverser le bassin, donc en tirant la pointe du coccyx vers le sol et en absorbant le nombril vers la colonne. Une fois que vous avez pris cette posture, vous pouvez déposer les mains sur votre genou avant, presser vos mains sur la cuisse pour trouver un petit peu plus d'allongement dans le dos. Et en gardant cette rétroversion dans le bassin, on va pousser les hanches en avant. Je vous rappelle que le psoas, donc ce premier muscle qu'on vient étirer ici, s'insère sur nos lombaires derrière, passe à l'intérieur et vient s'insérer sur la hanche en avant. Donc ici, en gardant la rétroversion de notre bassin, on est sûr de venir l'étirer. Vous pouvez faire cette posture des deux côtés. Deuxième posture, on va venir étirer notre quadriceps, donc l'avant de notre cuisse. On va déposer la main sur le sol, toujours dans cette fente, fléchir notre genou arrière et attraper avec notre main, donc si besoin, reculer un petit peu le bassin pour attraper mieux votre pied, attraper le pied, le ramener vers la fesse et redescendre le bassin vers le sol jusqu'à trouver l'étirement dans l'avant de notre cuisse arrière. On peut rester 30 secondes, pourquoi pas 1 minute ici. Puis on relâche doucement et je vous propose un dernier exercice. Alors rapidement, allons-y. Ah, pardon, pour étirer le fessier. Donc dans la posture du demi-pigeon. Cette posture où on vient simplement ramener le tibia parallèle à l'avant du fessier. Très bien, donc plus que les petits pois. On a toujours des noms de posture très sympas. Et on vient simplement relâcher le bassin vers le sol et pourquoi pas relâcher aussi notre dos. Voilà. Merci beaucoup. Quel est votre signe astrologique ? Capricorne. Écoutez bien ce qui va suivre. Une astrologue nous rejoint tout de suite sur le plateau. Merci, à tout à l'heure, Morgane. Alors, et je vous rejoins à la table de café, bien sûr. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Professeur, c'est quoi votre signe astrologique ? Taureau. Taureau. Vous y croyez un peu ou pas du tout en tant que scientifique, pur et dur ? Pas trop. Pas trop. Bon, alors on va essayer de décrypter notre thème astral avec vous, puisque vous sortez un livre aux éditions du Lotus et de l'Éléphant. C'est vraiment à la portée de tout le monde de décrypter son thème astral ? C'est en tout cas ce que j'ai souhaité transmettre dans l'écriture de ce livre. J'ai vraiment voulu écrire un livre, celui que j'aurais adoré avoir moi en tant que débutante en astrologie. Ouais. J'y ai donné plein de trucs, plein d'astuces et vraiment des conseils très pratiques, des pas à pas, comme une méthode, une boîte à outils pour pouvoir rentrer dans la compréhension de son thème astrologique. Julie, l'astrologie, on a un scientifique derrière vous, c'est une science ou pas ? Ça se branche quand même sur l'astronomie ou pas du tout ? C'est en lien avec l'astronomie, dans le sens où on crée notre thème astrologique en prenant la photographie du ciel au-dessus de notre tête au moment de notre naissance. Donc on a l'emplacement des planètes et surtout le lien qu'elles ont entre elles, telles qu'elles sont autour du soleil en train de tourner au moment de notre naissance, clic-clac photo, et c'est en 2 dimensions notre thème astral qu'on retrouve Alors, ici comme sur en quoi le thème astral peut nous aider dans notre vie de tous les jours ? Parce que votre livre, on est bien d'accord, moi je l'ai lu, c'est plutôt un livre pratique plus qu'ésotérique. Et vous donnez des exemples de ce que ça peut faire dans une vie. Alors est-ce qu'il faut avoir une croyance particulière ou est-ce que c'est mathématique tout ça ?
Et il y a le professeur qui sourit derrière. C'est à la fois mathématique, parce que c'est vraiment basé sur l'emplacement très précis des planètes, et ensuite c'est une science humaine. Donc ça décrit nos forces, nos faiblesses, notre chemin de vie, les défis qu'on est venu relever dans cette existence. Et ça, c'est le lien des planètes entre elles, dans toute leur symbolique et dans tous les archétypes qu'elles représentent, qui va nous permettre de mieux nous connaître et pourquoi pas de donner du sens soit à des événements de vie, soit à des schémas répétitifs ou à des relationnels. Dans le livre, vous donnez un exemple, c'est le thème astral de Françoise Dolto. Mmh. Elle était prédestinée, par exemple, à cette carrière auprès des enfants, d'après son thème astral. Expliquez-nous ça. Alors, on peut retrouver dans le thème de Françoise Dolto des grandes dynamiques qui vont la pousser à être auprès des enfants en tant que soignante et en tant que guide, quelque part, qui va mettre une méthode au point vraiment pour être au plus proche des enfants. Elle aurait très bien pu le déployer autrement que tel qu'elle a fait. Et en fait, elle est venue réaliser une destinée qu'on peut lire, effectivement, dans son thème. Alors, on va simplifier. Moi, je cherche à simplifier, d'en décrypter pour que tout le monde puisse le réaliser, notamment avec un système en lemniscate, un aller-retour entre les signes. C'est ce signe de l'infini, là. Oui, ce signe de l'infini, c'est ça. Ouais. Qui fait qu'on prend en compte l'intégralité de l'ombre et de la lumière de chaque signe, notamment pour la croix d'incarnation. Alors, c'est un peu technique. Mais tout le monde connaît son signe astral et souvent on connaît son ascendant. Ouais. Peu de personnes prennent conscience que dans le descendant, il y a en fait le complément de tout ce que contient notre ascendant. Notre ascendant, c'est qui je suis, ce que je suis venu réaliser. Et le descendant, c'est qu'est-ce que je porte en moi qui fait que je rentre en relation avec l'autre. Avec alors, ce livre va nous permettre normalement, alors moi je ne suis pas très matheux, etc., mais va nous permettre d'être beaucoup plus précis qu'un horoscope, parce que vous me dites, l'horoscope c'est super vague en fait, vous-même qui êtes dans l'astrologie. L'horoscope en fait c'est la description du soleil dans le signe dans lequel il est au moment de notre naissance. Donc c'est juste un point du thème, et en fait dans le thème il y a 10 planètes, qui sont en lien les unes avec les autres. Il y a 12 maisons, et l'ascendant, en fait, c'est la première maison astrologique, et il y a 12 signes. Donc ça donne une complexité et une richesse d'interprétation qui va bien au-delà juste du soleil en taureau ou en capricorne pour tout à l'heure. D'accord. Donc, pour terminer, on parle souvent d'alignement des planètes. En astrologie, ça a une vraie signification. Par exemple, en 2020, c'était une année très, très particulière au niveau mondial. Ça, c'était inscrit dans les astres. Alors, dans les astres, d'un point de vue astronomique, on avait un alignement planétaire de Pluton, Saturne, Jupiter en Capricorne, fin Capricorne, et Mars, la planète Mars est venue rejoindre cet alignement en mars 2020. Donc on pouvait dire que astronomiquement et astrologiquement quelque chose allait se passer, de l'ordre d'une grande fin de cycle et d'un début de grand cycle. Après, la manière dont ça se manifeste dans les événements concrets sur Terre, ça, on ne peut pas le prédire. C'est de l'ordre de la voyance et ce n'est pas du tout le sujet de l'astrologie. Mais les astres ont quelque chose à jouer sur des années particulières comme ça. Oui, c'est toujours intéressant de le voir mondialement, collectivement. C'était certainement ce que cherchait Mitterrand auprès de son astrologue. Oui. Mais c'est encore plus intéressant d'aller voir dans son propre thème cette fin de cycle et ce début de cycle. Ça touche quel secteur de vie et quel domaine de ma propre vie. Voilà, vous êtes dans la patrie de Nostradamus ici. et vous étiez la bienvenue, Julie Gors. Si on a envie d'approfondir, eh bien, on se reporte à ce livre que vous avez vu à l'image tout à l'heure, Décrypter votre thème astral. C'est un guide pratique. Oui. Voilà. Mais il faut être un peu matheux aussi. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir rejoints. Je vais maintenant demander au professeur de nous rejoindre dans un instant, mais juste avant, notre dernière démonstration de yoga, ça vous dit? Oui. Alors là, on est en yoga prénatal. Installez-vous, Morgane. Qu'est-ce que le yoga prénatal? Merci. Une fois que les personnes sont tombées enceintes, pour celles qui sont déjà enceintes, elles peuvent commencer à faire du yoga prénatal pour ouvrir déjà le bassin au maximum. Donc on peut tout à fait reprendre les exercices qu'on a fait précédemment et ouvrir aussi les côtes, créer de l'espace en fait pour le bébé mais aussi pour la maman. Alors allons-y, on vous regarde à l'œuvre. Assis, donc on va reprendre notre posture en tailleur, confortable. Et ici les mains sur les genoux, on va venir simplement mobiliser notre cage thoracique pour trouver un petit peu plus d'espace. Donc en tractant avec nos mains sur nos genoux, on va ouvrir le sternum vers l'avant et dessiner des cercles en poussant d'un côté vers l'arrière, de l'autre côté et vers l'avant. On peut continuer dans le même sens. C'est très élégant à voir. Merci. Et changer de côté.
Donc continuez cet exercice pendant 2-3 minutes, pourquoi pas. Ensuite, on va ramener une main sur nos côtes, lever l'autre bras vers le ciel. Et ici, vous allez pousser avec cette main contre vos côtes pour pousser les côtes du côté opposé et venir vous incliner vers l'autre côté. Donc on essaie de garder le dos super étiré, super allongé ici et simplement d'ouvrir, d'écarter les côtes au maximum. Bien respirer tranquillement et même chose de l'autre côté. Merci beaucoup. Votre espace santé, c'est Pura Vida à Marseille, c'est oui, ça? Oui, c'est ça, Pura Vida Studio. Et on vous retrouve sur la page Facebook du même nom, j'imagine. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous. À très bientôt. Merci également, Julie. Et ça va être un jeu de chaises musicales, puisque Julie va céder sa place au professeur, notre héros du jour. Merci beaucoup à vous deux. Héros du jour, celle qui vous a dénoncé, si je vous dis qu'elle s'appelle Diane Aguilar, ça vous parle? Ah oui, bien sûr. Elle a un message pour vous, Diane, regardez. Bonjour, moi c'est Diane, donc j'ai 39 ans, je vis au Canet, j'ai deux enfants, je suis suivie par le professeur Bartholomé depuis 2014. Je vis une dizaine de crises par jour, on a essayé plusieurs traitements qui n'ont pas fonctionné. Par la suite, en 2019, il m'a proposé une opération, donc je l'ai faite. Par la suite, donc j'ai une petite opération il y a un mois, donc je fais moins de crises, donc j'en fais presque plus. Et donc comme j'avais dû arrêter de travailler, donc je vais pouvoir, avec son accord, retravailler en septembre. Et donc moi, je remercie vraiment le professeur Bartholomé qui a toute mon admiration. Pour moi, je l'appelle The Best Professeur, il le sait. Je l'adore et vraiment, je tenais vraiment, vraiment par sa vidéo, le remercier. Car grâce à lui, je revis totalement. Merci, merci professeur Bartholomé. Voilà, numéro un mondial dans le domaine de l'épilepsie focale. Vous lui avez quelque part sauvé la vie parce qu'elle n'en pouvait plus vraiment, Diane, hein. C'était un cas, très chronique. Oui, c'est un cas de maladie épileptique chronique, résistant au traitement, avec beaucoup de conséquences. Notamment, ce qu'elle signale, c'est que, comme beaucoup de patients, ils ne peuvent pas travailler avec des crises quotidiennes. Et donc, on a fait avec l'équipe un bilan qu'on appelle pré-chirurgical. On essaie de regarder s'il y a une origine focale et de pouvoir l'opérer si c'est possible, ce qui n'était pas possible chez Diane. Donc, elle a eu une intervention qui consiste à mettre des électrodes dans le cerveau, relier un petit boîtier qui est une pile, qui va stimuler certaines zones cérébrales pour diminuer l'épilepsie, et ça a été très efficace chez elle. Et vous travaillez en ce moment, on va terminer avec ça, à la Timone à Marseille, sur la modélisation 3D d'un cerveau pour justement tester des protocoles. Expliquez-nous où on en est de ce projet, c'est aussi pour ça que vous êtes un peu numéro un mondial dans votre spécialité. Alors c'est un projet effectivement assez unique où on essaie de modéliser pour chaque patient où sont leurs crises, où elles se développent dans leur cerveau et comment elles donnent des symptômes. Et avec ce modèle qui est un modèle dans un ordinateur, hein, ouais, avec de nombreux calculs, c'est un modèle mathématique, on peut prévoir les effets de la chirurgie. En tout cas, c'est ce qui est testé aujourd'hui dans un grand essai clinique qui implique tous les centres de chirurgie d'épilepsie en France et qu'on coordonne à Marseille, et qui est en cours, hein, donc je n'ai pas encore les résultats pour l'instant. D'accord, donc on est en train de tester. 600 000, je disais, personnes souffrent d'épilepsie en France. On pourrait voir l'épilepsie reculer grâce à ce genre de projet dans combien de temps à peu près on a des idées? Alors c'est pas tant que l'épilepsie va reculer, parce que l'épilepsie c'est un ensemble de maladies avec beaucoup de causes. Donc là, là on s'attaque pas vraiment à la cause, là on essaie de mieux contrôler les crises. C'est déjà un objectif important. Et oui, on a de plus en plus de modes d'action contre les crises d'épilepsie, que ce soit le développement des médicaments, il y a beaucoup beaucoup de médicaments qui sont développés aujourd'hui, la chirurgie qui progresse, et puis des techniques qu'on appelle de neuromodulation. C'est-à-dire qu'on ne va pas enlever une zone du cerveau, cette fois-ci on va stimuler certaines zones, hein, que ce soit avec des électrodes dans le cerveau. Et ce qu'on développe aussi, notamment en Marseille, comme technologie, ce sont des techniques de stimulation extracérébrale, par des courants électriques qu'on envoie à travers le cuir chevelu et le crâne.
Ouais, donc ça c'est des nouveaux espoirs pour arriver à maîtriser mieux ces crises épileptiques. Ouais, c'est moins invasif et ça évite aussi pas mal de traitements médicamenteux, ce qui est plutôt bien. Merci en tout cas, vous étiez notre héros du quotidien, merci d'avoir participé à cette émission. Si vous aussi vous avez un héros du quotidien, dans un instant on va vous donner les modalités à suivre pour intervenir dans cette émission et balancer vous aussi votre héros. C'était le cas de Fabrice Bartholomei aujourd'hui. Nous on se retrouve demain à partir de 9h jusqu'à 9h45. Vous êtes formidables, à demain.